Voilà, sur les cas c'est un effet sorti de la courbe de Q-pip. Vous rappelez, il finit arrêté ce matin pour l'ICAC dans l'affaire Saint-Louis, l'ancien ministre de l'énergie et aussi le consultant de BWSM. BWSC plutôt. Ah, Maurice Finette, inculpé sous des charges provisoires de corruption dans l'enquête sur l'affaire Saint-Louis. Et mon rappel, depuis hier, Finger Bank Gros Développement dans l'enquête sur l'affaire Saint-Louis. Selon le mal de recoupement qu'il vient de recevoir hier, 38 millions de roupies finissent d'être payées en bribe à des différents officiers mauriciens et fonctionnaires. Soit les Gassénali finissent passe en cours de CUPUP il y a quelques instants. Et là, il fait que sortir. Sur des charges provisoires de corruption, il a fait que sortir et il va faire une procédure pour payer sa caution en ce moment. Alors, soit les Cassinari, finit interrogé pendant quelques heures au Red du Triangle ce matin. Après cela, il finit d'être emmené ici par les limiers de l'ICAC pour être inculpé sur des charges provisoires de corruption dans l'affaire Saint-Louis. L'ICAC préfère objecter à sa remise en liberté conditionnelle. Alors la magistrate de la cour de Capu finit fixer le montant de la caution à 75 000 roupies et qu'une reconnaissance de dette de 150 000 roupies. On rappelle juste hier, Patrick Lang, finance manager à l'ex-firme Patco, finit arrêté. Et aussi la quarantaine de l'ex-Impact fin est arrêté hier soir. Tiennement de développement que l'ICAC fin découvert qui finit à plusieurs paiements à bande fonctionnaire, à bande officier et autres mauriciens à hauteur de 38 millions. Ça concerne bande contrat qui BWSC fin gagné pour l'ICAC à travers la firme Patco. Et ça va monter de 38 millions à fin payé pour ban chef à ban somme excessif à des tierces personnes. Vous rappelez, l'affaire Saint-Louis fin trouve la démission d'Ivan Colin-Davelieu en tant que DPM. Plusieurs personnes finissent être interrogées dans cette affaire jusqu'à présent. Alain Haitingvong, directeur de PATCO, finit arrêté et libéré sous caution. Ce matin, il finit appelé à l'ICAC pour être interrogé encore une fois. Nous apprenons que dans les jours à venir, plusieurs fonctionnaires et officiers de la CEB ainsi que des consultants et anciens employés de la firme PATCO pour être interpellés et possiblement arrêtés dans cette affaire. Le
SEIK est la firme SEIK de Danemark. Fin fait un travail de fourmi que fin découvert à qui tient un ben corruption dans un contrat alloué à la firme BWSC à travers Patke, à Maurice et à Rodrigue. Tout ça a fait la fin commencer par un rapport de la BAD, la Banque Africaine de Développement, qui fin dire qui est un ben soupçon de corruption à Maurice et sur la firme BWSC. Et là, après plus d'un an d'enquête, Swaleh Kassenali, ancien ministre de l'énergie et consultant de la firme BWSC à Maurice, finit inculpé en cours aujourd'hui sous des charges provisoires de corruption. Les autres qui, les fines, la question fin fixée à 75 000 roupies et à une reconnaissance de dette de 150 000 roupies. L'île. Swaleh Kassenali puis attendre pour faire une démarche administrative pour payer ce caution. Il est représenté par Maître Chaukat Ouzir. Alain Haidingvong, directeur de PATCO, ex-directeur de PATCO plutôt, et actuellement à l'ICAC lui aussi. Son interrogatoire fin reprend ce matin. Soit les cas c'est dans lui qu'ils avaient trouvé à l'écran. Il finit d'être interrogé en janvier comme témoin. Et aujourd'hui, après le développement de hier, il finit d'être appelé, il finit d'être interpellé plutôt ce matin par un enquêteur de l'ICAC. Et qu'après cela, un mandat d'arrêt finit d'émettre contre lui vers 10h30. Et il finit passe la cour vers midi sous des charges provisoires de corruption dans l'affaire Saint-Louis. Et là, la magistrate de la cour de Kirby finit fixer caution à 75 000 roupies et une reconnaissance de dette de 150 000 roupies après qu'il y ait un officier de l'ICAC pas fini objecté à sa remise en liberté. Mais d'ores et déjà, nous allons dire qu'il pourrait y avoir plusieurs autres interpellations et arrestations dans cette affaire dans les jours à venir. Et là, comment je vais trouver, soit les cassés dans les à faire une procédure pour payer sa caution pour les caves rentre chez lui, mais il n'est pas pour un endroit quitte le pays durant pendant la durée de l'enquête. L'enquête de l'ICAC finit aussi découvert que plusieurs mails et autres documents finissent effacés sur le serveur. Un technicien de l'ICAC finit réussir retrieve sa bande mail et sa document là et là-dedans finit découvert une instruction donnée par Alain Haitingvoun, ex-directeur de PATCO, pour faire un paiement à une tierce personne dont un nom est codé. Après plusieurs mois d'enquête,
fin découvrir ben non ben protagoniste dans cette affaire qui fin recevoir ben bribe et à partir de hier fin dans plusieurs interpellations dont Philippe l'un finance manager ex finance manager Patko. Et un dénommé Moudji, accountant. Ex-accountant, à Patko. L'internet qui est venu en ce moment, nous actuellement au tribunal de Kepip, contre le professeur Swaleka Senali, qui est inculpé de corruption dans l'affaire Saint-Louis, sous des charges provisoires de corruption plutôt dans l'affaire Saint-Louis. Et là, après qu'il banne l'officier de l'ICAC, par fin objecté à sa remise en liberté, la magistrate fin accordé la liberté conditionnelle avec une caution fixée à 75 000 roupies et une reconnaissance de dette de 150 000 roupies dont il peut faire une procédure administrative pour qu'il ait payé sa caution et rentre chez lui. Je me rappelle que tout ça, ça fait la fin de commencer après un rapport de la BAD, la Banque africaine de développement, qui fin dire qu'il y a plusieurs allégations de corruption autour du contrat de la firme danoise BWSC fin gagné à travers la firme Patko auprès de la CEB. Swaleska Senali y est impliqué en tant que consultant de la firme BWSC à Maurice. Mourabezo Titi, ancien ministre de l'énergie. Ne pas pire de sa live là, l'internet, parce qu'il est professeur Kassénali pour sortir, nous pouvons essayer une déclaration avec lui dans quelques instants. Alors, après plusieurs mois d'enquête, l'ICAC finit découvert qu'il finit là plusieurs contrats que la firme BWSC fin gagné auprès de la CEB à travers Patko qui tainted, c'est-à-dire finina ban somme louche qui fin donné à ban personne qui considérait comme de la corruption. Plusieurs fonctionnaires, plusieurs officiers de la CEB et autres personnes mauriciens impliquées dans cette affaire et dans les jours à venir pendant plusieurs interpellations, ce qui nous fin comprend auprès de nous, Mansour Salikak. Un montant de 38 millions finit évoqué comme la somme totale qui finit donnée en tant que bribe à plusieurs personnes, excluant le contrat sur Saint-Louis. Mais rappelez-vous, c'est dans la même affaire que Ivan Colin Davidou finit bien démissionné en tant que DPM et ministre des Utilités publiques l'an dernier. Et là, dans un moment, nous précédons une déclaration avec Swaleka Senali à sa sortie du tribunal.
Dans cette même affaire, le directeur de l'ex-compagnie PATCO, Alain Haitin, peut être interrogé ce matin encore une fois à l'ICAC. Alors, chers internautes, restez branchés sur la page Facebook d'Ion News. Nous partons le professeur Swaleh Kassin Ali à sa sortie du tribunal de Kirkuk pour une déclaration après qu'il ait fini une caution. Aujourd'hui, il finit d'être inculpé sous des charges provisoires de corruption dans cette affaire et caution finit d'être fixée. Un montant de 75 000 roupies et une reconnaissance de dette de 150 000 roupies après qu'Iban, officier de l'ICAC, pas fini objecter à sa remise en liberté. Alors, chers internautes, restez branchés. Le professeur Swaleh Kassin Ali pour descendre dans quelques instants. Et nous pouvons gagner un premier témoignage de lui après son inculpation dans l'affaire Saint-Louis. Une charge provisoire de corruption est pesée contre lui. Il finit caution, je me rappelle, il finit caution de 75 000 roupies et une reconnaissance de dette de 150 000 roupies dans cette affaire. Restez branchés et nous retournons quelques instants après avec une réaction du professeur Swaleh Kassin Ali en direct sur la page Facebook d'Ion News. Le professeur Kassin Ali finit d'être arrêté ce matin. Il est fini de traduire en cours de Kirpip sous une accusation provisoire de corruption dans l'affaire Saint-Louis. Il est fini de payer une caution de 75 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 150 000 roupies. Là, nous pouvons essayer de gagner une réaction avec lui dans quelques instants. D'y être représenté pour mettre Shawkat Uzia dans cette affaire.
dans quelques instants, nous pouvons essayer une réaction avec le professeur Cassinali après sa remise en liberté conditionnelle. Je me rappelle que depuis hier, j'ai fini dans plusieurs arrestations, dont l'ex-finance manager Philippe Lang de PATCO et un dénommé Moody, ex-accountant de PATCO. Je finis de traduire encore aujourd'hui. C'est des charges de corruption aussi. Après cette interpellation, ce matin, le professeur Cassinali finit d'être interrogé pendant quelques heures. Le professeur Cassinali puis fait seulement des procédures pour qu'il garde retourne la case côté. Je me rappelle que il fait une caution qui finit fixée à 75 000 roupies et une reconnaissance de dette de 150 000 roupies. Pour un internet qui besoin de nous en ce moment, soit Ali Cassinali, l'ancien ministre de l'énergie et aussi consultant de BWSC à Maurice, finit d'être arrêté ce matin dans l'affaire Saint-Louis. Il finit d'être interrogé et après quelques heures d'interrogatoire, il finit d'être mis en état d'arrestation. Et l'enquêteur de l'ICAC finit de traduire lui en cours aujourd'hui, en cours de QPIP. Que de pas finit d'objecter à sa remise en liberté. La magistrate finit de fixer la caution à 75 000 roupies et une reconnaissance de dette de 150 000 roupies. Et là, Nupetani termine ce dernier procédure administrative pour essayer de gagner une première réaction de lui après qu'il ait fini chargé de corruption dans l'affaire Saint-Louis. Je me rappelle aussi que selon le recrutement qui nous vient de gagner hier, finalement un montant de 38 millions de roupies qui finit être donné en tant que bribe à plusieurs fonctionnaires, officiers et autres mauriciens. Ça concerne plusieurs contrats de la CEB qui finit alloué à la firme BWSC à travers PATCO. L'ex-directeur de PATCO, Philippe Haitingvoun, il peut être interrogé ce matin, il s'est déjà arrêté dans le passé. Il y a plusieurs autres personnes qui pourraient être interpellées et arrêtées aussi dans les jours à venir. Voilà, le professeur Cassinali finit payer ce caution et il peut sortir. Nous pouvons essayer de gagner une réaction de lui. Professeur Cassinali, une réaction avec vous? À la suite de ce qu'il a fait aujourd'hui.
Bon, je réserve le droit pour faire une déclaration forte au moment voulu, parce que par respect à la Cour, je ne voulais faire rien. Mais il y a beaucoup d'informations qui circulaient. Quand FATEC et Blacklist European m'ont appelé mettre pression, je vais agir vite vite pour montrer le résultat. Ben, pas à moi ça. Le moment de la vérité, le moment de la justice, pour venir. Et je t'en ai pour attendre. C'est tout. Moi, je vais dire haut et fort. Si je suis innocent, je vais un collateral damage de ce mouvement qui me fait là. Mais comme je dis, au moment voulu, je peux faire mon déclaration. Merci beaucoup. Voilà, le professeur Gassanali réclame haut et fort sur l'innocence. Et il peut dire qu'il n'a pas l'information. Et au moment voulu, il peut dévoiler l'information là. Il peut aussi dire qu'il n'a pas pour faire aucune déclaration faux par respect à l'institution qui est derrière lui, c'est-à-dire la Cour de Kirpip. Et il peut dire qu'il y a une collateral damage dans cette affaire pour le moment. Et il peut réserver ce droit à faire une déclaration faux pour le moment. Il y a aussi il y a beaucoup d'informations qu'il vous dévoiler en temps et lieu. Je me rappelle que le professeur Saleh Karselani, ancien ministre de l'énergie et ancien et consultant de BWSC à Maurice, finit arrêté ce matin et inculpé sous des charges provisoires de corruption. Et les fines gars caution qui finit fixé à un montant de 75 000 roupies. Et les fines bises signent une reconnaissance de dette de 150 000 roupies. C'est qu'ils peuvent se trouver à l'écran. Les finis payer ce caution, les finis faire tout bande démarche administratif. Et les boucaves retournent côté. Les bises restent à la disposition des enquêteurs de l'ICAC. Un peu. Voilà, c'était l'actualité faux d'aujourd'hui. L'ancien ministre Saleh Karselani finit être inculpé de corruption, de bonne charge provisoire de corruption, et il finit gagner sa caution devant le tribunal de Kirpip, la cour de district de Kirpip, dans l'affaire Saint-Louis. Il est impliqué dans l'affaire Saint-Louis. Mais voilà, restez branchés sur la page Facebook d'Ayo News pour suivre l'actualité en continu. Pour y avoir plusieurs autres développements de cette affaire dans les jours à venir, plusieurs autres arrestations et interpellations de bons fonctionnaires, de bons officiers et autres Mauriciens. Je me rappelle que c'est la même affaire qu'Ivan Colin-Davidou, fin bizarre démissionné en tant que député Premier ministre et ministre des Utilités publiques.